Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo très spéciale. Aujourd'hui, il s'agit du tag à faire avec un proche. C'est un tag qui est sorti sur la chaîne de Colorange. Elle avait cité tout le monde et j'ai été taguée par ma copine @colo71 pour le faire avec qui je voulais, je pense, hein. C'était pas forcément avec quelqu'un en particulier, mais c'est vrai qu'elle voulait que je le fasse avec mon conjoint. Sauf que lui, il avait pas super envie de faire ça avec moi. Et j'ai réussi à le convaincre quand même. Ce sera donc une vidéo familiale avec beaucoup de bazar. Il faut se préparer psychologiquement à suivre les différents événements. Les questions sont posées dans le désordre ou voilà, n'importe comment. J'ai sûrement oublié des questions d'ailleurs. Mais voilà, il faut savoir qu'on était entourés de tous mes livres de coloriage avec mes trois enfants. Donc autant vous dire que j'étais un petit peu stressée parce qu'il fallait que je les surveille, hein, ils sont quand même petits. Et qu'il fallait aussi que je suive ce que mon conjoint essayait de me répondre, sachant que, il n'était pas du tout concentré, mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se concentrer. Donc voilà, c'est, on va dire, une vidéo conceptuelle. Enfin, un concept. Mais voilà, c'était drôle en fait de le faire avec lui parce qu'en fait, je vous l'ai déjà dit, mais lui, il est complètement extérieur au monde du coloriage. Ça ne l'intéresse pas. Et tant mieux en fait, j'ai pas envie qu'il s'y intéresse plus que ça, parce que bah, c'est mon univers, ça me poserait, enfin c'est pas que ça me poserait problème, mais ça me dérangerait qu'il soit trop présent, c'est mon monde quoi, donc j'ai pas envie de partager ça avec lui, voilà, on partage déjà toutes nos journées, ça suffit, et voilà, donc chacun sa passion, lui vous le savez certainement, c'est plutôt le sport, et notamment le vélo, et voilà, donc sur ce, bah, écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Eh, vous écoutez la question ou pas? Il faut montrer vos trois livres préférés. Tu montres. Ok. Donc, tu montres sur trois livres, pas forcément les trois coloriages. Ils sont là, les jaunes. Ça. Les verts. Ça. Ils sont là. D'accord. Est-ce que tu peux justifier tes choix? Parce que j'aime bien les singes. Non, mais ok. Pour qu'est-ce que tu aimes dans cette illustration? Qu'est-ce que tu apprécies? C'est quoi? C'est l'univers, c'est le coup de crayon, c'est... C'est l'univers. Ok. Pour les autres? Et ça... C'est le coup de crayon. Et ça... Je sais pas pourquoi je l'ai mis. J'ai pas mis ça. Si, si. Quand je te les ai montrés, tu m'as dit quoi ça? J'aime bien les animaux. Ok, donc maintenant, c'était les trois coloriages que tu aimes le plus. Vas-y, montre-nous. Alors, c'est pas logique pourquoi j'aime l'un et pas l'autre. J'en sais rien, non, parce qu'il y a moins de coloriages à lire dans le... Alors, j'aime bien celui-là, parce que j'aime bien les citrouilles. Il est horrible, en plus. Et les navets. Et les glands. Ok. Après? Après, il y a quoi après? Bah, je sais pas, t'avais mis un marque-page dans celui-là. Celui-là. Pourquoi? Parce qu'il est en relief. N'importe quoi. Merci. Bon, comme tous les sous où il y a des paillettes. Il y a de touche. Oui, aussi une citrouille. Voilà. Oh. Et ça, parce que c'est moi qui l'ai acheté. Bah, qu'est-ce que tu aimes dans ce coloriage? Pourquoi tu le trouves beau? J'aime bien les super-héros. Ok. Donc celui-là, pourquoi tu l'aimes celui-là? Parce qu'il y a des dessins pour qu'on recopie. D'accord. Bravo. Bravo. Après. Oui, parce que je le trouve joli. Oui. Ouais, et tu les aimes tous ceux-là. T'as mis un marque-page partout. Merci. Lui. D'accord. C'était trois préférés. Et pourquoi? Pourquoi lui? Et ils sont petits à colorier. D'accord. Et toi? Ok. Pourquoi celui-là? Parce que c'est un livre de Disney. D'accord. Ok. Après, qu'est-ce que t'aimes sinon, à part lui, les autres que t'aimais bien?
Pourquoi lui? Parce que à la sorcière qui a un trésor. Ah, la sorcière avec le trésor, ça te plaît? Oui. Ok, quoi d'autre? Et le dernier? Mais c'est pas un trésor. C'est pour mettre le cœur de l'homme. Oui, bah. Mais c'est un trésor, s'il veut que ce soit un trésor. Alors? Oui, c'est un trésor. Oui, c'est un trésor. Ensuite, donc les trois livres maintenant que vous aimez le moins. T'en trouves trois que t'aimes le moins. Tiens. Ça, j'aime pas. Pourquoi? Mais ça se fait pas, c'est ma copine Amandine en plus. Elle a même signé. Moi, j'aime bien. Parce qu'il fallait en choisir. Hein. Il fallait en choisir. Ouais. Quoi? Quoi? C'est l'univers que j'aime. Ah non, j'aime bien en fait. Non, mais ce que t'aimais pas, c'était les petits points, je me souviens, tu m'avais dit quand je les reçus. Ouais, les petits points. Mais je pouvais pas le choisir parce que de toute façon, t'en as colorié aucun. Allez, si, allez. J'en ai fait deux. Et j'en ai fait un autre là. Donc, tu vois. Moi, je préfère moyen. Tu préfères moyen celui-là? D'accord. Mais allez, allez. Pousse-toi. Pousse-toi. Allez, vas-y, bah en plus, c'est la même illustratrice. Ça vous fait pas honneur, hein. Pourquoi tu l'aimes moins celui-là? Parce qu'ils disent qu'il y a des gros cernes. C'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. Parce qu'elle a dit qu'il y a des gros cernes. Mais il y a moins dessus. Il y a moi dessus en plus. Regarde. Ça, c'est moi. Elle s'appelle Lucille en mon honneur. On pourrait préférer quand même ce livre. Oui, je l'aime aussi. Elle ressemble. Oui. J'ai un peu moins de poitrine, mais sinon, c'est tout à fait moi. Moi aussi. Je l'aime. Allez, les autres. Toi, tu l'aimes? Je l'aime bien. Tu l'aimes bien? Oui. Oui, je l'aime bien aussi. Moi, je l'aime bien. Ok, mais c'est plus ceux que vous aimez bien, c'est ceux que vous aimez pas. Vas-y, montre les autres. Oui, aïe. J'aime pas quoi? Bah, celui-là, tu m'as dit non. Et lui, j'aime bien. Attends, fais-moi. Tu m'as dit non tout de suite pour celui-là. Ouais. Pourquoi t'aimes pas? Je sais pas. Il faut en choisir. Bah, tu peux, je sais pas moi. Elles ont une sale tronche. Tu l'aimes pas lui? Bah, tu peux le montrer. J'aime pas trop les sirènes. Allez, c'est pour pas la ça, j'aime pas. Oui. On dit pas j'aime pas. Si, on dit j'aime pas. On dit pas c'est pas beau, on dit j'aime pas. Oui, j'aime pas ça. Oui, mais ça veut pas dire que c'est moche. Il arrête pas de dire à chaque fois qu'on montre Anna Carlson qu'il aime pas. Alors, pourquoi t'aimes pas Anna Carlson? Qui est quand même mon illustratrice préférée. Parce que je préfère colorier. Pourquoi t'aimes pas? Il y a trop de trucs. Comment ça, trop de trucs? Trop d'illustrations ou c'est trop détaillé? C'est trop fouillis. Il y en a trop. Allez, à moi, pousse-toi. Mais colorie-le, t'es libre. Attends, Sacha. Ça va dire à toi. Oui. Non, à toi. Tu n'as pas colorié dans les livres. Oui, je l'aime pas, non. Pourquoi tu l'aimes pas? J'en ai fait plein à l'intérieur qui sont beaux en plus. Mais j'avais pas regardé. Ouais. Moi, je l'aime bien. Merci, c'est gentil. Bon, ensuite, donc trois coloriages que tu aimes le moins. Donc, ça, on les a sélectionnés tout à l'heure. Ça. Bah, justifie pourquoi tu l'aimes pas. Bah, le nez, il est mal fait. On dirait que t'as bavé. Ça, j'aime pas. Parce que j'aime pas le. J'aime pas trop le dessin. Que j'aime pas. Ouais, j'aimais pas ça là. Parce que déjà la page elle pèse 3 tonnes, ça m'en laisse plein les doigts. Ça a bavé partout. Et du coup, par rapport à là, il n'y a plus aucun détail, il n'y a plus rien. On dirait une peinture. Bah oui, mais parce que j'ai une découche, quoi. Ça, mais ça, tu vois. Il n'y a plus les détails. Ok. Regarde. Oui, bah, touche pas. Si tu devais choisir un livre de coloriage que tu colorierais toi, si tu devais te mettre au coloriage, tu commencerais par quel livre? Tu mettrais dans quel livre? Ok. Moi, je sais. Ah, vas-y, toi. Donc, tu ferais lequel? Celui-là. Tu peux. Bonne tentative de rattrapage. Que j'aime bien l'univers. Non mais t'es pas sérieux? Bah ça j'aime bien les trolls comme ça et tout. L'autre moins. Les filles avec les gros seins moins? Ouais, celui-là. Ok, donc grincheux. Ouais. Ça te correspond assez. Ouais. Quel livre tu aimerais que je termine? Tu dirais, waouh, ça rendrait bien si c'était tout colorié.
Moi, je sais. Oh, je sais, maman. Vas-y, montre-moi. Oui. Oh non, encore lui, quelle surprise. Pourquoi? Bah parce que j'ai bien avancé, je pense, hein. C'est pas pour ça. Oui, t'as fait comme moi. Dans l'ordre et je trouve qu'ils sont aussi jolis. Oh, merci. Regarde lui. Lui, j'aime bien. Et lui, et surtout... Lui et lui aussi. Et lui. Et ça, c'est quoi, ça? Bah, c'est une tête de dinosaure. Un crâne. Il l'avait pas vu. Tu l'as vu, oui, ça? Oui, si, il l'a vu. Oui, si. Bon, et alors? Et là, il y a un Pokémon. Ouais. C'est quoi? Un Pokémon. Alors, voilà. Quoi? Quel livre tu voudrais que je finisse? Moi, lui. Lequel? Lui. Parce qu'il n'est pas commencé. Mais si, j'ai fait des collages dedans. Mais je vais en faire plus. Que penses-tu du coloriage? J'en pense que écologiquement, c'est une aberration. Moi, je trouve que c'est bien. Ah, merci. Et moi, ça me détend pas du tout. D'accord. Moi aussi, moi ça me détend un peu. Mais ça tue la planète. Quel livre est-ce que tu voudrais que je jette? Celui qui est hôtel vraiment ou pas et tu comprends pas pourquoi je l'ai. Tu dis, ah non, celui-là faut que je jette à la poubelle. Celui-là. Qui a fait les questions? Une youtubeuse qui s'appelle Colorange. Celui-là, oh bah non, on va pas jeter Anna Carlson quand même. Bon bah voilà. Il est trop fouillé. C'est qui Anna Carlson? Non, moi je... Bah, c'est l'illustratrice. Non, on le jette pas. Attends, mais non, on jette pas pour de vrai. Tiens. Ensuite, est-ce que ça te dérange que je fasse des vidéos? Non. T'as pas d'avis, quoi? Non. Est-ce que tu peux me citer 3 marques de crayons couleur? Non. Essaye. Mais j'en sais rien, moi. Bah, tu connais bien des marques? Non, pas du tout. Aucune marque? Velleda, j'en sais pas. Velleda, d'accord. Je sais pas. Mais je sais pas. Bic. Bic, mais il y en a, c'est une bic. Ok. 3 illustrateurs. Fujita, c'est crayon. C'est quoi? Ouais, bah montre-les si tu veux. C'est tes crayons à toi. Tes crayons. Est-ce qu'ils sont bien ces crayons? Oui. C'est tes préférés? Oui. Ouais, ok. De toute façon, j'en ai pas d'autres. 3 illustrateurs. Je bah, c'est écrit sur les livres, c'est pas compliqué. Et bah, Amandine Jung. Amandine Jung. Jung. C'est la plus douée, bien sûr. Anna Calzone. C'est ma copine. Anna Calzone. Parce que j'aime bien le coup de doigt. Et Kirby Rosanes. Rosane, c'est un japonais en plus. Rosanes. Je crois que c'est un mexicain. Ah, un mexicain, tu aurais dit non, c'est japonais. Arrête. Ensuite, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un aplat? Un quoi? Un aplat. C'est une ville en Italie. Aplat? Naples. Naples, n'importe quoi. Non, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est quand tu colories une zone toujours de la même intensité. Ah ouais. Est-ce que tu peux citer quelques-unes de mes copines qui font du coloriage? Regarde ce que j'ai retrouvé. Amandine Young. Oui, voilà. C'est vrai. Tu peux quand même citer quelqu'un d'autre? Quelqu'un que t'aurais vu en vrai? Delphine. C'est... Qui, Sacha? Bah dis-le. Adeline. Adeline. C'est Léa qui l'a vu. Ouais, Léa l'a vu. Bon, et... j'étais pas là. T'en as pas dit? De quoi? Une personne à citer? Coralie. Je connais pas. Il y en a pas. Ok, bon bah merci beaucoup pour ta participation alors. Et moi? Mais merci pour votre participation à tous, mais vous avez un peu lâché l'affaire les autres. Hein. Et moi? Ouais, donc tu peux quand même. Et donc sur ce, bah écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.